Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Black Book. Alors certainement le dernier épisode. Pourquoi? Bah comme je le disais, c'est long. Non, non, si, si, c'est super long. On a toutes les, comme je disais, on a toutes les cartes du premier niveau. On n'a rien débloqué de spécial. Voilà. Alors à moins que le jeu me serve un plot twist. Incroyable lors de ce dernier épisode, ça ne sera pas le dernier. Mais là, pour le moment, bah, j'ai l'impression de tourner en rond. On affronte toujours les mêmes ennemis. Ils sont pas très durs à battre, mis à part les boss. Qu'est-ce qui resterait comme il resterait du poison peut-être qu'on n'a pas encore et on l'a déjà vu faire ce que ça faisait. Bon, je sais pas trop ce qui reste encore comme dégâts à faire. Donc voilà. Le spinner n'est pas une simple sorcière. Ce n'est pas la dernière fois qu'on entend parler d'elle. La prochaine fois, tu garderas ta bouche fermée, hein. Tu parles trop. Il faudrait qu'un léchi ait le contrôle de ta langue. Maintenant, nous devons l'aider. Très bien. Nous avons la ceinture. Le plan, il faut penser à notre au prochain. Prochaine chose qu'on va faire. Nous avons tous les ce que nous devions avoir. Oui, on peut aller tenter de faire le pont. Depuis que tu as le. Maintenant que tu as le livre. Maintenant que tu as le livre. Tu es assez forte pour te dire la vérité. Oui, bah Odarinka est un esprit puissant. Elle peut charmer la peau des êtres vivants, d'accord. Ok, donc on doit se préparer pour lui casser la gueule. Très bien. Non, on n'a pas de questions. On y va, go! Il est temps de taper la route. Alors, c'est prendre la route, hein, évidemment, mais nous, on va la taper. Oh, il y a un visiteur. Très bien. Bonjour. Bonnet rouge. Igor! Ah, merci Dieu, je t'attrape. Je ne suis plus en charge, c'est Vasilissa maintenant. Quoi, il y a la guerre? Hein? Quoi? Mince, la guerre. Merci pour l'argent. Donc tu es allé vers la route de Bonvesk dans la nuit. Ok. Il y a quelque chose qui est apparu. Très bien. Ok. Il a eu le temps de retourner à sa maison. Ok, on ira voir ce qui se passe là-bas. Et il faut le zagovorer. Très bien. Très bien. Je prierai pour vous. En fait, je dirai quelque chose pour vous. Merci madame. Très bien, en avant. Mais pourquoi on pourrait aller à l'ancienne maison d'Egor si on y est déjà? Là, d'accord, il y a une petite crique dans la forêt, enfin, c'est une clairière. On trouve. Ouais. Cool. On trouve des herbes pour se soigner. Pourquoi pas? Orlof Grove, très bien. Ben, allons là-bas. Allons à Orlof Groves. En avant. C'est vraiment bizarre aussi qu'on puisse pas retourner à un endroit qu'on a déjà visité, surtout quand il y a des marchands ou des trucs comme ça. Alors, on passe sur des endroits où il y a des fleurs jaunes. Très bien, et des tirliches herbes. On dirait un champ de jaune qui fait comme un tapis. On retient notre respiration et enfin on respire fort 6 fois. Très bien. Merci. Donc on a récupéré une fleur. Bien. Allons-y. Alors. On suit des traces d'humains. Ok.
Elles sont pas très très claires à cause de la pluie. Très bien, donc elles sont plus très fraîches. Bah, on va investiguer. Hein. Donc on commence à étudier les traces. Il y a quelque chose qui nous paraît pas normal. On dirait qu'il y a une lumière bleue de sorcier dedans. D'accord. Ok, donc elles sont certainement maudites. Très bien. Il y a des traces qui se... Enfin, ça érupte en flamme bleue et un démon est apparu. Ah, on peut lui casser la gueule. Regardez, ils sont tout faibles, ils sont tout faibles, ils peuvent même pas nous faire de dégâts là. C'est très bizarre. Ok, alors. Lui. Lui. Donc lui déjà, il va prendre 8, 9, déjà. Ensuite, 12, donc il meurt. Très bien. Et bah toi, tu vas prendre ça. Ah, on a le droit à ça, très bien. Et pourquoi pas. Ah, il tape! Bah, très bien. On est avec Collier, j'avais pas vu. Ok. Boum. Voilà, donc lui, 8. Pourquoi 8? Ok. Bon, lui, il va mourir à son tour. Voilà. Donc là, il va prendre 2 dé... il va prendre 3 de dégâts, donc il meurt. Voilà, comme un caca. Et puis lui meurt, et puis voilà. Voilà, le démon est parti. Ok, donc les traces ne sont plus démoniaques. Très bien. Très bien, moi je dis oui, hein. Ok, y a rien. Bon, y avait même pas d'offrande, rien. Bon, bah y a rien. Une location, oui, qui ne sert à rien. Très bien. On entend des sons de ah de wheel, une roue. Qui traverse le silence, hein. Ok. On voit une silhouette d'un kart, en fait. D'accord. Bah, read the kart. Bon, on va parler au conducteur, hein. Il fait froid, mais on va quand même lui parler. Je trouve que vous avez une bonne récolte. Oui, merci. Est-ce qu'on peut prendre du pain? Non. Ok. Très bien. Ok, bah très bien. Où est-ce que c'est? On vient juste de mentionner Dieu. Ah, je vais devoir te tuer. Quoi? En un instant, le car se transforme, le driver, en démon. Quoi? Ah, mais regardez, là, il y a des nouveaux trucs, des chevaux. Ok, ils vont tous les deux me waste. D'accord. Et lui, for each you read. Oh, d'accord. Non. Alors, bah, celui-là sur lui. Ça fait 3. 8. 11, lui est mort. Déjà. Hop, on va se faire ça. Et toi, tu vas taper un des deux chevaux, s'il te plaît. Merci. Ah, il y a des nouveaux ennemis. Mais pourquoi les nouveaux ennemis, ils arrivent à la fin? C'est con. Merde. J'avais pas pensé où elle verse. Dommage, on aurait pu plus faire plus de dégâts à un cheval. Erreur. Hein? Pourquoi ce waste? Ouais, bah ça marche plus. Bah écoute, hop. Hop, on va se défendre. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être bien. Ok.
Voilà. Bon, on l'aurait tué le cheval, hein, dommage. Normalement, il va prendre 9 avant le début de son tour et lui va prendre 10, hein. J'aurais peut-être dû viser lui en fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, lui meurt. Très bien. Donc lui, il va faire 3. Mais attention qu'il va prendre. Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas le truc. Pourquoi ils se sont empoisonnés eux-mêmes? Je comprends pas. Et ils n'ont pas eu un truc du genre vous dealer le waste en dégâts. Parce que vous pouvez avoir une carte genre. T'as 500 d'XP, ok. Ok, ça se transforme en flamme noire, ok. Parce que en vrai, vous auriez une carte, vous vous wastez vous-même, d'accord? Donc vous dealez des dégâts sur vous. Et le tour d'après, donc vous acceptez de prendre par exemple 15 dégâts. Et derrière, donc ça descend à 14, vous avez une carte qui dit le waste, vous le transmettez à votre ennemi en termes de dégâts purs qui ignore la défense. Ça aurait pu être très intelligent pour ses chevaux. J'aurais compris pourquoi c'était waste. Mais là, j'ai pas compris pourquoi ils se sont suicidés en fait, les chevaux. Ça n'a pas de sens. Ça aurait vraiment pas de sens pour moi. Et il m'a donné plein d'XP ce combat, donc ça devait être un combat dur et en fait, il était hyper facile quoi. Ok, il y a des démons. Bon, on va leur taper dessus, hein. Nous on veut de l'XP. Hein. Ah, des nouveaux démons. Non mais pourquoi les nouveaux démons ils arrivent maintenant? Oh, ils vont en summons. Ok, toi tu tapes lui. Hop là, on va waste celui-là. On va faire ça. Ah oui. Bah écoutez, sinon voilà. Ok, il est waste. Voilà, vous prenez tous les deux. Et voilà. Et lui, il reste plus que 15 et lui 18. Alors pourquoi ils n'ont pas eu le même nombre de vies, je ne sais pas. Ok, il a summon quoi? Ouf! Oh là 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 là! Attention, dans 3 tours, il va me faire 15. Mais si je tue lui, est-ce que lui disparaît? Je voudrais voir. En tout cas, on va prendre 10. Alors, ce serait bien de se défendre à 8. Ce sera déjà pas mal. Et en vrai, je vais enlever ça et je vais me défendre à 10. Ok. Ok, voilà. Donc, il reste 7 PV. Donc lui il aurait 5 PV, lui 16. Lui attention, dans 2 tours il va nous mettre la max. Hein. Ok, alors 5 pour lui. Donc lui je peux le tuer. Alors je vais tuer lui direct. Voilà, donc lui on s'en occupe pas. Quoique 4, j'ai pas un truc qui fait 4. Non. Je peux tuer ensuite lui. Je peux faire ça. Ok, donc là il va prendre 15 sur lui. Ah non, je fais 15 de dégâts en tout. Donc lui il va déjà prendre 10. Et merde, on n'a pas de. D'accord. Bon, tant pis. Ouais, ça augmenterait le nombre d'ordres, mais les ordres ça m'intéresse pas en vrai. Donc voilà. On va voir s'il lui meurt. Est-ce que lui meurt avec? Non. D'accord. J'aurais pensé que. Donc là, on va prendre la max. Hein. Au prochain tour, on prend la max. À moins qu'on arrive à lui faire 13 de dégâts. Au pire, on prendra 15, c'est pas très très grave. Alors, lui va déjà prendre 3. Donc il lui faut juste 5. Donc ça. 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 Et après, il va nous mettre la max. Hein. C'est tout. C'est tout, c'est tout. À moins que ça le tue, hein. Il disparaît ou pas? Non. Donc bon, on va prendre la max, c'est tout. Mais ça sert à quoi de lock alors? Parce que ça lui a rien fait. Ah, ça me lock un emplacement, mais donc c'est de la merde.
Ah, d'accord. Ok, 5 PV, merci. Hop, hop. Allez, meurs. C'est tout. Moi, je dis meurs. Bon, on aurait pu éviter ces PV qu'on a pris dans la face, hein. Mais c'est comme ça. Items. Est-ce qu'on peut utiliser des potions là? Ah non, je peux pas utiliser de. D'accord. Ok. Je peux pas utiliser de potions comme ça entre les combats. C'est un peu con aussi. Mais ça a un rapport avec le gameplay. Donc c'est con, mais c'est pour le gameplay. Donc ça me passe. Ben voilà. Look around. Un herboriste. Bonjour. Oui, je veux manger. Je veux des herbes. Oh, c'est cool ça. Hop. Voilà, je vais acheter les deux herbes comme ça. Ok. Le marchand. Byzagovor, reset skills. C'est de la merde tes agovors, mon gars. Et le peddler. Low price. Ok. Qu'est-ce que tu vends d'intéressant, mon ami? Ah, mais ça, c'est du consommable, consommable, consommable. Ça, ce sont des items. Ok. Les items, moi, ça m'intéresse. Attack patch, deal one more when you have. Ouais, bon. Ouais. Donc, on fera plus de dégâts si on est 50% de la vie en dessous. Enfin, 50% de notre vie en moins. Ouais. Your first Zagovar always has log page. Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Non. Oh! Ah oui, mais on the battle start, ouais, donc il faudra que. Ça, c'est très bien si on fait full ou Elverse. Gain plus d'enthérisme. Alors. En vrai, je l'ai déjà, je sais pas si je peux mettre deux fois le même objet. Est-ce qu'on peut mettre deux fois le même objet? Parce qu'en vrai, si je reprends ça, je regagne encore 12 points de vie. Et en vrai, j'enlève. Ah, mais je l'ai déjà en plus. Et en vrai, je retire ça par exemple, ou je retire ça. Attendez, on va l'acheter. Voilà, on va acheter une deuxième fois l'objet. Et on va regarder si on peut mettre deux fois un même objet. Mais oui, mais clairement. Bah voilà. Merci. Au revoir les gars. Old Banyaz. Ah oui. Rescue the Changeling. Ah, mais on l'a déjà fait, d'accord. Bah allons là-bas. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Oh, on a gagné le 5. Il y a des gens qui nous attendent. Des gens arrivent, des paysans avec une vache corrompue. Elle a arrêté de donner du lait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait plus, mais on va faire un. Alors, on va faire un zagovor quand même. D'accord, il nous donne 5 balles. Très bien. Pourquoi pas? Eh bien, allons tabasser l'ennemi, le boss. Je suppose que c'est le boss. Ok. La porte de la bannière abandonnée s'ouvre en craquant. Après ça, le vieux bâtiment est dans le silence. On attend de commencer le rituel. On ne sait pas quand est-ce que. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que le rituel va finir. Ok. Eh bien, on continue. On commence à faire un zagovor. Heureusement que Nicolas est avec nous. Il nous faut des items. Maintenant, nous avons ramené ce que nous t'avions promis. Maintenant, tu seras bientôt libre. Elle nous parle, mais c'est inintelligible. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas t'entendre. Elle couvre sa bouche.
et s'écrit disparaissent. Vous шепчете один из старых заговоров, и наконец On fait un vieux заговор, et finalement, vous comprenez ce qu'elle dit. La bannique est dans les darkness, dans les ténèbres. Je ne laisserai pas cet enfant partir. Ok. C'est la clé de son domaine. Je suis trois. Je suis la troisième depuis la gauche. Et je suis coloré avec du sang. Qui suis-je? Donc elle devient des flammes et des nuages de vapeur. Ok. Oh. Nikolai. Bah go, hein. L'entrée des sous-marins brûlants, enfin des souterrains brûlants, pardon. Ouais, donc on va aller en enfer. Cette fois, Igor n'est pas là. Ok, bah go. On retourne en enfer, c'est ça? Alors, le monde est en train de brûler, ça vous paraît familier. Cependant, c'est votre troisième fois. Ouais. Le silence est là, il n'y a rien de bruit. Et Nicolas, il reste à nos côtés. Très bien. Bah go. Colia, ça va? Je t'avais dit de m'attendre dans la bagna. Je ne voulais pas te quitter, hein? Je suppose que c'est mieux. Bien. On ne peut pas faire machine arrière, suis-moi. Ne te perds pas, tu seras tué. Un peu les enfers. Hein. Oh, des herbes. Très bien. Yeah. Ok, bon, on sort. Hein. Go back. Bah. Qu'est-ce que la fille a dit derrière? Oh merde. Attendez. The stove, the fire, donc le feu. L'eau qui boue. La peau. Sont les clés de son domaine. Hey, le feu. Non, stove. Stove, ça doit être ça. Le feu et l'eau qui boue. Ah non, ça c'est l'eau qui boue. Et donc le feu. Et... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Il ne sait plus ce que veut dire stove. Il revient. C'est bon. Il ressait grâce au dictionnaire. Ça veut dire poêle. Alors. Poêle. Mais j'ai rien qui ressemble à une poêle. À moins que ça, ce soit une poêle. Attendez. La poêle, le feu, l'eau qui boue. Alors, la poêle. Ouais.
Ouais, j'ai rien qui ressemble à une poêle ici. Le feu. Et l'eau qui boue. Mais j'ai pas d'eau qui boue. Après, je prends toujours que c'est par rapport à gauche, mais c'est peut-être en haut. Parce qu'il y a une flèche là. C'était en haut. Je sais pas pourquoi j'étais sur la gauche, il fallait que ce soit à gauche. Me demandez pas pourquoi. On continue notre voyage dans le domaine de l'Obrinka. Ok. Bah, combattons là. Ah non, c'est pas des Obrinka ça. Si? D'accord, ils vont me waste. Les petits salauds. Ils ont 14 PV. Alors, 5, 7. Alors, 5. C'est bien, c'est qu'on va pouvoir se régénérer. 8. 10. 15. Normalement, lui, il meurt. Lui, on peut le taper aussi. Et on peut se. Bah non. Quel con. Autant que je me soigne plus. Voilà. Hop là, merci. Merci. Et merci. Voilà. Et merci. Presque full life. Hein. Voilà, un de moins. Ah mais même lui nous donne des PV quand il tape. Hein? Bon, un de waste. En vrai, ça va. Waste 2, d'accord. Alors, attendez. D'accord. 5. Bon, bah on va lui faire que 7, hein, j'ai envie de dire. Tant qu'à faire. Aïe. Voilà, mais c'est pas grave, on va se régénérer. Voilà. Voilà. Dommage, on lui a fait que 2. Il reste 2 PV, ça me manquiquine un peu. Bon, il va me faire 2 PV en moins, mais techniquement, on peut se recharger des 2 PV qu'on va perdre. Alors, ça devrait être bon. Voilà, hop, normalement c'est bon. Ok, là on prend 2, mais on va se régénérer de 2. Voilà, full life, nickel. Bah celle-là. Hein. Oh yeah! New level. Alors. On les a vaincus. Ok. On voit un couloir. Colia nous suit. Très bien. Ces points, ces jointures sont blanches. Ok, tellement il serre ses mains. Mais on voit de la détermination dans ses yeux. Très bien. Alors on va prendre notre niveau, parce que je suis pas sûr qu'on puisse prendre le niveau si on continue. Allez, on va piocher un ordre de plus par tour. Ok. Et on a gagné 5 PV, ce qui est déjà pas mal. Un couloir emmène à un autre. Ok, plus petit. C'est dur de respirer. Ça brûle, très bien. Soudainement, une figure noire nous barre la route. Est-ce que c'est le boss? Ça me paraît ça. Qui serpente dans le noir? Nous pouvons te sentir. Nous pouvons. Tu sens la vie, nous allons te tuer. Très bien. Bonjour, Bannick. Tu n'as pas besoin. Tu peux nous laisser ici, pas besoin de rester derrière. Écoute-nous, ma chère Bannick. Vous êtes auto-invité. Je suis la maîtresse ici. Je suis la. Voilà. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Bride. Nous sommes là pour sauver la vie d'une gamine.
On a tout ce qu'il faut. Hein. Non. Il n'y a pas de bride ici. Seulement de l'ambre. L'ambre brûle. Les eaux chaudes. Ouais, donc tu vas me brûler mon bras aussi. Ha, la marque, la marque. Il a un sigle sur la main. Nous allons le trouver. Donne-nous la fille, là tu le sauras. Très bien. Vous pouvez la voir. Je vous montrerai. Choisissez 501. Si vous choisissez mal, vous allez rester ici. Très bien. Left, middle. Oh punaise. Elle avait dit qu'elle était tout à gauche. Hein. You chose, chose, chose. Choose your bride. Choisissez votre fille. Vous avez choisi, mais vous avez choisi la mauvaise. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Je suis libre de vous casser la gueule. Mais elle avait pas dit à gauche? Il me semblait qu'elle avait dit tout à gauche. Hein. J'ai bien pris tout à gauche. Hein. Tu avais promis de nous laisser la fille. Je l'ai fait, je l'ai fait. Après, il va vous avoir arraché la peau. D'accord. Alors, elle a 150 PV. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des démons. Très bien. Ah, d'accord, il faut qu'elle ait ça. Ok, bah écoute, non. Alors, on va te waste, déjà, pour commencer. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Merci. On va te urasie. On va te... Voilà, comme ça. Non. Hop, comme ça, celui-là va faire plus de dégâts. Ça, on va pas le faire. Et on va... on va se défendre tant qu'à faire. Allez, c'est parti. On va la waste un petit peu. On va te urasier la tête. On va te... Voilà, elle a pris 12 PV. C'est déjà pas si mal que ça. Voilà, elle a pris 17 PV. Elle a pris 20 PV. Ok. Mignon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me waste. Alors, on va. Ouf, 2 x 3. Donc elle va nous faire 6. Hein. Déjà, on va te faire ça. On va te faire ça. 4. Oh, attendez. On va se blesser. On va waste. On va faire ça. Et on va faire 3 sur lui. C'est pas très très grave si on prend 6 hein, pour le moment. Allez, c'est parti. On la re-waste. Voilà. Boum. Voilà, elle a pris 10 direct. Hein, boum. Et lui, il a pris 6. Ok, donc lui, voilà, il nous waste. Là, on prend 6. Donne-nous la fille. Non, elle est à moi, à moi. Ok, donc là, elle va nous refaire 6 et lui va nous waste encore. Très bien. Alors. Déjà, on va se mettre 4. On va se mettre 8. On va, hop, faire ça. Mais à chaque fois, il me dit... Ah oui. Le prochain tour, pardon. Et lui... Ouais, sur lui. Allez. C'est pas grave. On va se mettre 8 de défense, elle nous fait 6, donc c'est pas encore trop trop grave. Et on va tuer ce petit con. Qui nous waste, hein. N'aime pas ça. N'aime pas être waste. Ok, il nous met un seul de waste, donc c'est pas très très grave. Voilà. Ok. On a tout bloqué. Ah, trop bien. Elle va nous faire 18, là. Ah. Elle va nous faire 18, par contre. Mmh.
Alors déjà, voilà. 3, 5 à l'ennemise. Hop. 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 Et par contre, là, on va se soigner peut-être. Voilà. Voilà. Lui, il meurt. Très bien. Voilà, on lui a mis cher. Par contre, là, elle va nous mettre cher. Elle est plus qu'à 93 PV. Aïe. Donc là, peut-être qu'elle va réinvoquer. Hein. Non, elle nous met 14 dans la face. Ok. Donc, on va faire. Hop. Hop. Déjà, on va se défendre. On va lui mettre 5 dans la bouche. Kolia, tu vas lui mettre 5 dans la bouche aussi, s'il te plaît. Pourquoi je peux pas la toucher des fois? Je ne sais pas. On va se soigner un petit peu et on va se ressoigner avec ça. Très bien, on est parti. Voilà. Très bien. J'aurais dû me attaquer après mettre bless. Quel con. Ce n'est pas très très grave. Voilà. On a pris 3 PV en plus. Voilà. Voilà, elle est plus qu'à 72, hein. Et elle va nous faire seulement 9. Donc ça va. Ok. Elle va nous faire 6 cette fois. On peut se mettre 4. Hein. Alors déjà, on va se soigner. Hop là. On va se mettre 4. On va se soigner de 2. Voilà. On va lui mettre 3 dans la bouche et lui remettre 5 dans la bouche. Voilà. Ce qui en vrai est pas si dégueulasse. On va retourner au même nombre de PV. Normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah non, c'est vrai, c'est 6. Voilà. Très bien. 46 PV. Dehors, dehors. Donne-nous la fille et on s'en va. Non, jamais. Elle nous remet 15 dans la bouche. Elle nous remet 15 dans la bouche, quoi. Bon, on se met 8 de défense, hein. Prends-toi ça. Et hop, on va se mettre ça. Si je peux la cibler, ce serait pas mal. Merci. Et on va se soigner. Ah non, mais on peut se mettre 5 de défense. Très bien. Hop là. Voilà. Donc on va prendre que 2. Ce qui en vrai est pas si dégueulasse. Ok. Voilà. Ok. Elle réinvoque un mignon, très bien, c'est le moment de lui mettre la max. Ok, alors c'est parti. 5. 10. Alors attendez, si là je fais ça, je lui mets 17. Non, ça fera moins de dégâts. Et tu veux mettre ça sur toi. Ok, et on va en profiter pour se soigner. Voilà. Allez, tiens. On te met la max. Voilà. Boum. Plus que 35 PV. Très bien. Ok, on est ward. Donc là, on invoque quoi? Le même caca. D'accord. Ah! D'accord. Ok. Non, mais oui, hein. Pourquoi pas? Déjà, on va mettre ça. On va se mettre ça. Non, parce qu'il faut pas déconner quand même. On va se mettre un peu de défense. Hop. Non. Ça d'abord. Et ça ensuite. On lui met 25 dans la bouche. C'est pas assez, hein. C'est pas assez, c'est pas assez. Dommage. Dommage, dommage. On lui met 25 dans la bouche. Bon, après, on va prendre 30 dans la bouche, hein. Mais si on la tue au prochain tour, qu'on ait pris 30 ou pas, c'est pas dérangeant. On est d'accord. Ah, on va prendre moins de 30 dans la bouche. Voilà. On prend 28 dans la bouche, c'est ok, tiens. 29 avec son waste. Ah non, elle s'est régénérée de 33?
Ok. J'ai pas compris ça. Hop, je te waste. Je te waste. Je t'éclate la bouche. Et. Non, bah non, c'est du waste, donc on s'en fiche en fait. Et je vais me blast. Allez. Et je vais me soigner. Voilà. Boum. Voilà. Ah, tu prends cher là, hein. T'es pas contente, hein? Voilà, 8 de dégâts, c'est très bien. Donc elle nous fait 6. En vrai, c'est pas encore trop grave, donc on perd 2 PV parce qu'on a le waste, hein. Ok, toi tu vas nous waste pour 2. On a 2 fois 5, ça fait 10. Enfin, 10, ça fait 11, plus 2. Alors, on va se blast. Elle fait quoi? Elle se régénère de 33 encore. Elle est très très chiante. Tu m'ennuies, Jacqueline. Tu le sais, ça? Ah, ça m'ennuyait, ça. Ah, il lui restait 2 PV, quoi, sérieux? Bon. Elle va faire 12. Donc déjà, on peut encaisser tous les dégâts. Mais on lui ferait pas de dégâts. On lui ferait 3 de dégâts. En vrai, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va lui faire 6. On va lui faire 10 de dégâts quand même. Hein. J'ai pas une herbe de dégâts. Éliminer. Non, on s'en fiche. On s'en fiche. Increase the number of in your Zagovor one turn. Ah, bien. On peut lui faire un peu plus de dégâts comme ça. Et ouais. Ok. Tiens, prends-toi 8. Tiens, prends-toi 14 en tout dans la bouche. Plus les 4. En vrai, c'est pas mal. Il lui reste 17 PV. Et elle va se régénérer de 33. Mais on peut peut-être la tuer. On la tue. Et oui, 10. Ici. Plus 4, 14. Plus 5, 15. 19? Oui, parce que 14 plus 5, ça fait pas 15. Hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Et on va se régénérer. Voilà. Normalement, elle meurt. Normalement, elle meurt. Normalement, elle meurt. C'est la victoire. Oh, cool. 1000 d'expérience, très bien. Voilà. Voilà! Au moins, vous aurez vu la fin du premier boss. Oui, vous avez réussi à le faire. Vous savez ce que je vais vous demander? La ceinture et la croix. Et ton nom est Clavdia. Je ne peux pas le croire. Je suis libre. Les démons ne te feront plus de mal maintenant. C'est dangereux de rester ici. Nous devons. Cette place n'est pas propre. Attention au bois qui. Va vers ta maison. Merci. Enfin, bien, bien compris. Ok, donc on a tué le premier boss. Qu'est-ce que ça a fait? Enfin, le premier. La Banitsa a été vaincue. Je suis de nouveau là. De quelle histoire? Alors, Colia, tu es plutôt chanceux. J'ai trouvé ma dame, une belle. Viens, vieux Igor. Attention, vieux Igor. Ne pense pas comme ça. Ne sois pas inquiet. Je n'essaye pas
de te maudire. Et de qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Wedding. Alors que tu vas pouvoir dire le mot? Oui, je sais. On aura un beau livre et une... Ouais. Quelle bande d'entremetteurs. Je me rappelle le village de Oberenka. Je viens de là. J'en réponds... jusqu'à ce qu'on me récupère. Je vis in Pochka. Mes amis vivent là-bas. Veuillez m'envoyer là-bas. Je dois d'abord donner ça à Vasilicia. J'ai trouvé... c'est un démon Aspen qui me l'a donné. Ok. Mais donc, est-ce qu'on a des nouveaux pou... Mais, comment on fait? Vanquish Evil Spirits to unlock... Ok, il faut aller là-bas en fait, c'est ça? Et ça, ça fait quoi? Ouais. 3 en waste, ouais. En vrai, pourquoi pas. Tac, merci. Non, toi t'es pas revenu, toi t'es revenu, ok. Bon. Un démon. Bonjour. Puissante connaît. Enfin, puissante femme qui connaît, quoi. Merci. Ok, il y a quelqu'un qui terrorise les gens au cimetière, très bien. Eh ben, on va s'arrêter là. Bon, on a vaincu le démon, on n'a pas eu de nouveaux pouvoirs. Ça m'enquiquine un peu. Faut peut-être la conduire jusque là-bas, mais pour nous donner les pouvoirs quand même. Arrivé un moment, je veux dire, voilà. Hein. Bref, eh bien, on va s'arrêter là. Ce sera la fin. C'est trop long pour gagner de nouveaux pouvoirs. Voilà. Franchement, c'est très long de gagner des nouveaux pouvoirs et je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir d'autre en fait. Au niveau des monstres, bah là en enfer on a vu de nouveaux monstres, mais c'est tout. Donc voilà, on va s'arrêter là. À mon avis, le jeu est très bien, mais très long. Il faut avoir le temps. En plus, c'est 100% anglais, donc voilà, hein. Il faut pouvoir comprendre. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.